Le gagnant est... Kim de la Manu Militari. C'est la troisième fois que Manu Militari se retrouve en nomination à la disque. Il remporte aujourd'hui son premier Félix. Le rappeur a également été élu artiste de l'année lors de la dernière édition des Francophonies de Montréal. Je savais que les producteurs de disques étaient des explorateurs qui soupaient les artistes comme des paysans de l'Équateur. Si au début je les ai vus, c'est parce que j'avais pas d'argent. Ils m'ont dit c'est tout ce qui compte, tout le monde a du talent. Ils m'ont proposé de vivre avec une pièce de l'album. En fait, ronger la peau, leur laisser le reste de la pomme. Moi, je m'aurais tapé à job, eux seraient tapés des putes. T'inquiète, je vois le calcul même si j'ai pas fait d'études. Je leur ai dit, il faudrait juste m'aider. Faut que je sorte la cage. Ils m'ont dit, peut-être plus tard, là où on est, au bord de la plage. Tu nous déranges, puis déjà qu'on t'a fait une offre de rouler avec nous. T'avais une place au fond du coffre. J'aurais voulu être Tony. Les passes, c'est comme Manny. En fait, ils ne devaient rien, j'avais qu'à faire ma compagnie. Puis je me suis dit, c'est qui le pire? Celui qui encule ou celui qui se penche? Faudrait que les victimes y pensent. Vu qu'à part peut-être la santé, la vie te fait pas de cadeaux. Pour toucher tes rêves, tu bats, tu crèves à la falardeau.